Tout le monde, hockey sans limite commence à l'instant. Avant-match canadien qui affronte les puissants Hurricanes. Non, sans joke. Canadien qui affronte les Hurricanes de la Caroline ce soir à 19h30 en Caroline avec Al Montoya devant le filet. Bien sûr, Yannick, votre animateur qui est avec vous pour répondre à vos questions sur le chat. Daniel qui dit Asti, j'ai fait un saut, j'avais le volume dans le tapis. Ouais, are you ready? Ça te le dit. T'es-tu prêt? On est prêt. Bon, vous avez entendu Pat qui rit. Mais t'es en forme, mon Pat? Va vous présenter mes panélistes. T'es en forme, Pat? Ben oui, écoute, c'est sûr que, regarde, juste avant d'entrer en onde, je suis en train de chialer, là. Mais tout à coup, j'étais avec vous autres, j'étais avec les auditeurs, c'est le week-end, ça va comme... Ça commence à aller pas mal mieux, là. Ouais, ça va aller bien. Et on a aussi Daniel qui est avec nous autres. Daniel, t'es en forme? Ben oui, ça va bien. Puis écoute, entendre Pat dire ça, écoute, je peux pas ne pas bien aller moi non plus. Écoute, c'est sûr, là, moi, ça me craint pour asseoir. Là. Écoute, là, on est prêt, on est ready. Ça va avoir une bonne émission puis une bonne game. Yes, sir. C'est vrai que c'est le fun un match le vendredi soir, pareil. Hein? Ouais. Moi, j'aime pas ça. C'est en plus, j'ai comme le souvenir du dernier vendredi que le Canadien a joué. Je suis comme, oh non. Mais là, mon kit est tout propre. J'ai tout lavé mon kit parce que j'avais dit que je le lavais après deux défaites. Donc, les pantoufles ont passé, les boxers, le pyjama au complet noir, avec les chandails noirs. Tout est passé, tout est clean. On repart ça pour une séquence de 13-2-2. Vous tentez-tu? Moi, ça me tente. Et on a aussi... On est tous contents que tu aies lavé tes boxers. Moi aussi. Je vais t'avouer que moi aussi. En même temps, j'aurais aimé mieux pas les laver de la saison. Ça veut dire qu'on n'aurait jamais perdu deux matchs. Mais, à un moment donné, tu sais, il faut passer là. On n'a pas le choix. Hein. Et aussi, on a Ellie qui est avec moi. Ellie est avec nous autres. T'es en forme? Ben oui, mais tu sais, comme Mike Ribeiro, je trouve que la passe arrive pas vite. Le présentant dernier, de même, man, tu cours. C'est pas. Vous l'avez pas vu, hein? Non, parce que vous irez voir, Mike Ribeiro a fait un vidéo sur, je pense que c'est sur RDS, il était avec François Gagnon, où il explique qu'il a demandé à Piqué que la passe arrive plus vite. Je pensais que vous l'aviez toutes vu, mais moi, ça a l'air que vous ne connaissez pas ça, là, OK? Ben, moi, je l'ai vu. Ouais. Faites attention à ce que tu souhaites, parce qu'elle pourrait arriver. Ouais. Bon, on revient sur le dernier match, défaite des Canadiens. Bon, on va se le dire, je vais le dire tout de suite. Moi, je vais l'avouer tout de suite. Price l'avait pas, on va se le dire tout de suite, là. Il était pas... Je l'ai senti dans les 2-3 premiers tirs, j'ai fait « Iiii, j'ai l'impression qu'il va chercher à puck à soir. » Il cherchait énormément la rondelle. Tant qu'à moi, le premier but qui a passé entre les jambes, ça avait pas son lieu d'être. C'est pas Carey Price. Ça, pour moi, ça avait... Tu le voyais, là. Il a fait des arrêts phénoménales. Il a fait 2-3 arrêts absolument incroyables, surtout en overtime. Puis le jeu de Barkov aussi en avant du net, quand il se l'est passé entre les jambes, là. Il a arrêté du bout de la jambière. Il a fait quand même des belles arrêts, mais on a avoir vu Carey Price en pleine forme, cette game-là d'aller en poche. Mais ça arrive, il est humain, on va se le dire tout de suite. Là. C'est un être humain. Canadien qui a encore marqué en power play, qui ont dominé, on va se le dire. On a dominé les Panthers de Caroline. 61 tirs tentés contre 48. 37 qui se sont rendus au filet, c'est quand même beaucoup. Seulement 24 pour les Panthers. Je vais me demander ce que vous avez pensé du match. Ken, je vais commencer avec toi, Pat. Écoute, garde, veux pas. C'est comme tu disais, garde, il est seulement humain. Hein? Je pense pas qu'on va commencer à chialer sur Carey. Je pense que c'est quelqu'un qui a donné pas mal plus que son. Qui a amené pas mal plus au. D'eau moulin que bien du monde. Et puis, écoute, regarde, veux pas, j'ai trouvé ça dur, c'est en effet, je trouve ça plate quand on joue bien, que veux pas, on a nos chances, puis que ça marche juste pas. Je trouve ça toujours plate, je me dis que veux pas, c'est le genre de match que, tu sais, il faut gagner plus que ceux aussi qu'on a été poche, puis qu'on a fini par gagner, finalement, là. Mais regarde, veux pas, je pense qu'on n'a pas à chialer encore, on n'a pas eu une contre-performance, c'est juste que, regarde, ça a juste pas roulé pour nous autres. Puis encore là, je suis pas prêt à dire que c'est à cause de Carey qu'on a perdu. Non, peut-être pas, aussi, peut-être pas à cause, mais il était pas dans sa game. Il cherchait énormément le disque. Tu sais, Carey Price, c'est quelqu'un qui a un suivi de rondelle qui est absolument phénoménal, qui va se pencher, il va regarder autour des joueurs, mais cette game-là, il l'avait juste pas. Moi, en tout cas, c'est ce que je voyais. En tout cas, là, c'est ce qui m'a marqué vraiment. Là. Ben, je pense qu'on est en train de faire l'erreur de penser. Ben, c'est vrai que Carey a pas été comme Carey est habitué d'être. Okay, puis là, on s'entend, puis il a peut-être accordé un mauvais but. Ça, je pense qu'on est tous d'accord. Parce que les autres ont dévié. T'sais, lui, le Petrie, je l'ai pas aimé, puis ça, je l'ai revu à tomber à terre. Puis ben, c'est ça aussi. Puis, tu sais, tantôt, on disait, on a bien joué. A-t-on si bien joué? J'ai vu des bourdes défensives ignobles.
Je pense que on n'a pas si bien joué que ça. On aurait peut-être pu gagner ce match-là parce qu'on est habitué de gagner les matchs malgré qu'on fasse des erreurs. Mais c'est la loi de la moyenne puis c'est revenu. Là. Hey, I have a dream. I have a dream. J'ai déjà rêvé que David Dernay la mettait top corner avant d'un gardien de but. Et bien, ça s'est réalisé le dernier match. Il l'a foutu top corner. J'étais sur le choc. Je l'ai vu tout ça avant du but. J'ai dit, bon, il va tirer sur le gardien. Ben non! Il a fou top net. J'étais comme, what the fuck? C'était quoi ça? J'étais surpris aussi, vraiment très surpris, mais un but, une passe. Il a quand même joué un excellent match, on va se le dire. Là, il joue présentement à l'aile avec, avec Plekanec et c'était Terry qui était là le dernier match. Qui a quand même... Terry! Moi, j'ai trouvé qu'il a connu un pas pire match, oui. J'ai trouvé banal. Ben, pour un premier match en Ligue nationale, de la ligne, arrivé de la ligne américaine, j'ai pas trouvé que c'était si banal. Il était meilleur qu'André Ghetto. C'est un filler, lui. Dans le fond, c'est comme une espèce de police d'assurance. C'est comme c'est de la profondeur. Lui, tu sais, je veux dire, il a quand même l'expérience de la Ligue nationale. Il s'est jamais développé. Ben, tu sais, il avait quand même un potentiel de marqueur dans le junior, mais tu sais, il s'est jamais vraiment développé sur ce côté-là. C'est un bon joueur de Ligue américaine qui peut dépanner la Ligue nationale. Mais tu sais, c'est sûr, personnellement, moi, quand je l'ai vu là, je m'attends absolument à rien dans son cas, là. Mais tu sais, s'il peut faire un bon chiffre une fois de temps en temps, tu dis bon, mais tant mieux. T'es pas d'accord, Daniel, que le fait qu'on remonte Terry avant Hudon, c'est un autre... Il méritait. Oui. Mais regarde, ouais. Mais là, tu sais, on est super bon pour sortir la carte. Oh, il le méritait quand il faut sortir la carte. Il méritait. Carr avait été renvoyé pour 3 matchs. André Ghetto, il avait plus qu'1 point par match en Ligue américaine. Il méritait. Puis t'as Terry qui avait 16 points en 15 matchs. Il avait plus de points que... Tu sais, si tu vas dans l'ordre des choses, mais Sherbach, c'était Hudon le 3e. Sherbach allait bien aussi. Ouais, mais Sherbach, ça va lui faire du bien là, de continuer dans la Ligue américaine. Ouais. Non, ça, je suis d'accord. Moi, c'est plus Hudon. Puis c'est pas nécessairement une question de favoritisme puis de francophone puis tout ça. Mais je trouve, malgré tout, qu'on semble sévère une coche de plus envers nos joueurs locaux. Ah non, mais parce que j'ai hâte de voir comment on peut l'utiliser. Je pense pas qu'il va jouer à soir, personnellement, parce qu'il n'y a pas eu de pratique. Mais le Terrien a dit qu'il y avait des joueurs qui avaient des virus peut-être dans l'équipe et qui n'étaient pas sûrs de jouer à soir. Fait que ça se pourrait qu'il ne joue pas à soir, mais d'après moi, demain, il va être de l'alignement. Je suis pas mal certain, sûr et certain que demain, il va y être. T'sais, il est arrivé hier, il n'y a pas eu de pratique aujourd'hui. Donc, je m'attends pas à le voir à soir. Tout ce que je souhaite, mais du plus profond de mon cœur, si tu as réussi, si tu as eu le cran de mettre Chris Terry en power play, je veux voir Charles Hudon en power play. Montre-lui, donne-lui la chance. Là, c'est allé de jouer 9-10 minutes par match, mais allez sur un trio sur le top 9 du Canadien, pousse à la 4, sur le top 9. Terry a joué quoi, 14 minutes? Il a joué 14 minutes, le dernier? Je vais te dire ça dans pas long. Il a joué 14 minutes, je pense qu'il a joué 45 secondes en power play. 14 minutes, 0-2, puis il a fait du désavantage. Ben, si je peux juste dire une petite affaire par rapport à le mériter. Là. C'est bien beau qu'en ce moment, eux autres, ce soit les meilleurs joueurs peut-être en ce moment chez les Ice Caps, là, mais veux pas, là, ça reste quand même qu'on a des trous à boucher dans nos trios. Puis personnellement, moi, des André Ghetto puis des Chris Terry à 5-10, là, c'est comme laisse faire. Là. Tant qu'à faire jouer un gars de 5-10, pourquoi qu'on ne fait pas jouer justement Hudon? Il a la même carrure que Chris Terry. Ouais. Il va prendre de l'expérience. Il est plus dans le futur de l'équipe. Il faut lui donner de l'expérience. C'est ça que je me demande, moi, s'il est vraiment dans le futur de l'équipe. De plus en plus. Ben, exactement. En effet, ça se l'a demandé. C'est vrai que ça se l'a demandé. Tous les signes sont là. Puis, tu sais, on l'a parce toujours dit. Parce qu'il se donne dans la ligne américaine. Ben oui, puis on l'a toujours dit, sans faire de favoritisme. Là, est-ce que vous pensez qu'en tant qu'équipe montréalaise, la seule équipe du Québec, à talent égal, on devrait monter le francophone en premier? Ben, c'est pas nécessairement. Pour son niveau de motivation, je crois. Talent égal. On parle de talent égal, résultat égal. C'est dur de trouver ça. C'est dur de trouver ça. C'est Terry c'est avait. D'un coup, là, ouais, mais d'un coup, là, c'est super dur. Terry avait. Ben, ça l'a toujours été. Mais j'ai jamais compris pourquoi le monde disait ça. Mais talent égal, c'est vague, là. Ouais. Moi, j'ai toujours trouvé ça drôle comme expression. Ben, moi, tu sais que je trouve que. C'est certain que c'est pas le même type de joueur, mais... Terry a des qualités défensives que Hudon a pas. C'est aussi simple que ça. Ben Hudon, il est bon. Il est intelligent défensivement. Mais est-ce qu'ils sont adéquats? Puis c'est parce que le coup de patin de Hudon, il est pas encore tout à fait adéquat. C'est ça qui arrive. Il est pas super rapide, mais en même temps, on voit des harnais. Puis tu sais, je veux dire, regarde... Ouais, il est pas super rapide. Non, vraiment pas super rapide. Je m'embarquerai pas dans son cas, ouais, là, mais... Hudon, je sais pas. Il a l'air d'avoir quelque chose. Puis tu sais,
Il y a tout le temps une question d'attitude, mais je sais pas, là. Parce que c'est ça. Mais quand ils sont à Laval, on va plus les voir. Là, présentement, ils sont tellement peut-être loin. Ils veulent aussi à Laval. Hein. Tu sais, veut pas, ils veulent vendre des tickets là-bas. Là. Tu sais, veut pas, ils veulent qu'il y ait un hype. S'ils arrivent là-bas avec, avec Odette puis Udon, puis ils mettent un coach francophone en arrière, puis tu sais, qui est populaire. Autre que Lefebvre, là. Ben oui, autre que Lefebvre. Mais tu sais, qu'ils mettent quelqu'un. Tu sais, on a tout entendu des rumeurs de comme quoi ça serait peut-être le père Odette qui. Anyways. Tout ça pour dire que. Peut-être qu'ils veulent le garder encore en bas pour justement le côté marketing, mais si c'est ça, on parle d'être carrément malhonnête avec Non. Ouais, mais c'est pas professionnel, ça. Non, c'est ça que je parle. Non, tu peux pas commencer à penser au côté marketing. On va retarder un jeune, tu sais, pour ça. On n'est pas cool avec. C'est pas juste ça. Si tu penses au côté marketing, il faudrait penser à gagner en partant. Là, si tu penses au côté marketing, mais depuis 4 ans, ils l'ont pas partout. Quand tu montes pas un gars pour le laisser un an de plus, ben c'est pas parce que tu penses qu'il va pas remplir le filet en bas. T'sais. Le gars, tu penses qu'il est assez bon pour la ligue en haut, mais tu veux le garder encore en bas. C'est surtout le fait qu'en plus, il n'y en a pas de chance. Il y en a très peu de chance. Puis, tu sais, moi, écoute, les rares fois que je joue dans la Ligue nationale, il en créait des chances. Il est créatif, ce joueur-là. Il a une tête, là, c'est drôle. Ouais. Mais bien, il n'en a pas de chance. Puis tandis que c'est vrai qu'André Gatto, il les a toutes les chances. C'est pour ça que je veux le voir. Il faut qu'il joue dans Powerplay. T'sais, je pense pas qu'on va le voir à soir, mais j'espère que demain, ça va être un André. Moi, je sortirais André Gatto parce que je pense que 14 minutes. Moi, je sortirais André Gatto, puis je le mettrais à 4 à la place. Je mettrais Terry à 4 avec Mitchell. Puis Carr, puis j'envoyerais Udon avec Plekanec puis Desharnais. Présentement, Desharnais joue à l'aile, puis c'est con, là, mais il a joué un excellent match. Le dernier match, moi, j'ai rien à dire contre Desharnais, là. Il a vraiment été bon. Il est pas bon, mauvais à l'aile. C'est ça le pire. Puis en plus, l'effet qu'il est à l'aile, vu qu'il se garoche tout le temps là comme centre pour faire ses passes, c'est comme plus naturel, je pense. Mais tu sais, encore une fois, 5 pieds 7, 150 livres à l'aile, tu sais. Il tombe souvent, oui, mais c'est quand même un gars qui travaillait fort le dernier match. J'ai vu de l'acharnement dans son jeu. Je me suis dit, bon, il a peut-être retrouvé le goût, là, un peu, là. Tu sais, l'effet qu'il joue en power play, l'effet que, tu sais, là. Ça a été encore une claque d'en face cette année, le camp d'entraînement. Quand on a vu que il y avait des joueurs. Mais il a été mauvais. Je te l'accorde. À la fin, c'est un peu rattrapé. Il a été mauvais. Mais je pense que, tu sais, je vous l'ai dit souvent, là, que l'arrivée d'un Lekkonen qui passe pas par le chemin des autres joueurs, qui passe pas par la hiérarchie normale, ouais, ça fait mérité, mal. Hein. Ben, mérité ou pas, si on peut en discuter, puis chacun a son opinion là-dessus. La seule affaire, c'est que mets-toi dans les patins de ces joueurs-là. Est-ce qu'eux autres, tu penses que c'est mérité? Alors qu'eux autres mangent du poulet frais depuis des années. Tu comprends que pour eux autres, c'est comme un downer. Tu essaies de monter, puis là, tu vois que Chris, il y a quelqu'un qui passe en avant de tout le monde. T'sais. Oui, ça fait chier. Mais je trouve qu'il a bien réagi. Ouais, mais André Gatto. Grosse claque, puis il a bien réagi, Udon, cette année. Ça fait que je pense que, tu sais, le nanan. Ben, on parlait des claques l'année passée aussi, quand il y a eu 45 joueurs utilisés par le Canadien, puis il a bien réagi pareil. Il a parlé encore des claques cette année. Tu sais, moi, je vois pas ça comme des claques. Tu sais, il y a Samuel sur le chat, un de nos panélistes, qui dit dis-moi, Udon, j'aime mieux le développer à AHL à fond pour faire un bon joueur de troisième trio. Ça prend un bon développement des joueurs de troisième responsable et capable de produire offensivement. Tu sais, Détroit, c'est ce qu'ils font. Ils laissent leur gars 2-3 ans dans la Ligue américaine, puis il y a personne qui chiale. Check Manta. Manta, il y a genre 10 buts en 8 games dans la Ligue américaine. Mais souvent, Détroit, ce qui arrive, c'est qu'ils ont quand même la profondeur et la qualité côté Ligue nationale, ce qu'on n'a pas toujours ici. Tu sais, regarde là, notre line-up là, actuel, là, puis tu sais, je veux dire, c'est pas si pire que ça, là, mais que à l'attaque, ça fait quand même pitié. Ce qui m'a tanné dans le rappel, c'est, ben tu sais, en même temps, je voyais là que les chiffres, Terry avait plus qu'un point par match, Udon avait quasiment un point par match. C'est que tu remplaces Radulov par un gars de soutien comme Terry, qui a genre 10 buts dans la Ligue nationale ever, là. Puis Udon, je pense qu'il y a un but en 4 matchs déjà dans la Ligue nationale. T'sais. Fait que je me disais, moi je pensais que ça allait peut-être être Udon rappelé. J'ai pas été surpris de Terry non plus parce que j'hésitais entre les deux. Je me disais, tu sais, Terry avait l'expérience dans la Ligue nationale. Puis ça joue pour quand une équipe veut veut te rappeler. T'sais, tu sais que le gars il a joué 180 matchs dans la Ligue nationale. Tu dis, ce gars-là, il sait c'est quoi la Ligue nationale. Un Udon qui arrive et qui joue un match contre les Panthers, il va être plus impressionné au Centre Bell. C'est normal, ça. Là, il va être sénère, il va être nerveux. Un Terry, je l'ai pas senti nerveux. C'est des gars qui ont l'expérience de rouler, mais il me dit, faut qu'il aille amener sa chance s'il veut arrêter d'être nerveux. Tu sais, tout le temps, il donne de le faire jouer 9-10 minutes, il sait pas s'il joue. Tu sais, là, c'est. Ouais, ça, il joue dans la tête. Oui, t'as raison, Yannick, mais il faut aussi qu'on profite du fait que c'est un Québécois, puis que, tu sais, quand tu joues à Montréal,
ça ne tente plus de redescendre en bas. Après, là, c'est la chance de trouver. Ces gars-là, ils ne veulent pas, ils lèvent leur jeu d'un cran. Puis c'est ça qu'on, c'est ça qu'il faut banquer là-dessus, excusez l'expression, là, mais il faut profiter de ça aussi. Mais, il y a une autre affaire aussi, je pense, tant qu'à moi, qui pourrait peut-être, je sais pas, aider cette décision-là, c'est qu'on est 12-2-2. Tu sais, je veux dire, c'est pas comme si on était 2-2-12, tu sais, on s'entend, là. On est 12-2-2, on est bien en avance, on a beaucoup de points. Ben, tu sais, je me dis, justement, c'est vrai que peut-être qu'on devrait peut-être les essayer, ces jeunes-là, là, actuellement, quand c'est le temps. Hein. Tu sais, s'ils font des erreurs, tu dis, bon, on a échappé une, bon, il va s'en rappeler. Tu sais, ces points-là, actuellement, si on a une défaite, elle ne sera pas aussi coûteuse que si, je sais pas, on était 10 points en arrière, là. Ça, je pense. Mais... on a des bêtes à prendre, en effet, aussi bien les prendre pendant qu'on est en avance un peu, en effet. Mais ouais, mais affaire qu'il ne faut pas oublier, les gars, c'est que, veux pas, quand c'est le temps de remplacer ou de rappeler un gars d'en bas, ils font pas juste regarder la fiche, voir, ah, lui, il a le plus gros score, on va l'amener. C'est sûr non, que c'est ça vrai. Se parle. Ça parle avec le fait, puis c'est, ils doivent pas juste se parler de ce qu'ils font sur la glace, ils doivent aussi se parler de ce qu'ils ont entre tes deux oreilles. Puis ça doit jouer dans la balance. C'est sûr. Puis il y a un autre fait, je pense, qui joue contre Udon, c'est le fait que physiquement, c'est un late physiquement. Tu sais, il y a du monde, là, qui est. Mais quoi, il est rendu 5-11, 190, si non, je me trompe. Ouais, ouais. Non, c'est correct, je pense, mais. Enfin, devrait-on dire, il est en train de prendre sa charpente d'adulte. Tu sais, il y a du monde qui, à 15 ans, là, ils ont l'air des hommes, puis ils ont déjà la shape qui sont supposés avoir. Ouais, puis il y en a que ça va être à 24-25, c'est exactement. Vrai. Exactement. Puis Udon, il est ce type-là. Puis, tu sais, je veux dire, rappelez-vous, là, c'est encore le kit boutonneux l'année passée, là, qui avait de l'air bien plus jeune que son âge. Il avait le physique bien plus jeune que son âge aussi. Puis ça l'a ralenti. Parce que le kid a bien beau... On s'entend qu'Udon, là, son gros talent, il est dans sa tête. Oui, il a des mains, ouais. Mais il n'y a pas de physique. Tu sais, dans le sens, c'est pas quelqu'un qui va overpower c'est vraiment dans la lecture du jeu. Je vais te nommer un nom que présentement, il se fait arracher la tête, mais un nom qui a eu une méchante carrière, Thomas Plekanec. C'est pas le gars le plus physique, c'est un joueur intelligent qui est capable de la mettre dedans. Brain, qui se faisait... ouais, là, mais... qu'on parle de Plekanec, le monde va dire « Descendez, Udon, tabarnak! » Non, écoute, Plekanec, là, il a marqué 20-26 buts, il a fait 55, il a fait une saison de 70 points, il a fait une saison de 60 points il y a 2 ans. Ouais, là, non, il va être juste aussi. Plekanec est arrivé avec le CH à 24 ans. Arrête, on veut pas te starter sur Plekanec, là, tu vas faire comme lui. Non, je compare les deux situations parce que j'ai toujours comparé Plekanec à Udon, au moins. J'ai toujours dit que ça pouvait être le remplaçant de Plekanec. Puis présentement, je pense encore que c'est ça. C'est juste que laisser le temps. Plekanec, il a joué 16 matchs. À 23 ans, Plekanec avait joué 16 matchs NHL. Puis à 24 ans, il a commencé à être régulier. Ça fait qu'il faut y aller tranquillement. C'est exactement ça. Les kids, là, ceux-là qui nous écoutent, qui ne le savaient pas, moi, j'étais là quand Plekanec est arrivé. Puis il est arrivé tard. Ouais. Exactement pour les mêmes raisons que Udon. Physiquement, ça y a pris puis du temps. Puis il dominait dans la ligne américaine. Il dominait tout le monde. Ben, je m'en rappelle dans le temps. Il disait pourquoi il ne rappelle pas Plekanec. Pourquoi il ne rappelle pas. Il avait quasiment un point par match. Puis il ne rappelait jamais. Puis il est arrivé à 24 ans. Puis là, il a commencé à jouer dans la ligne nationale. Puis il voyait juste comme un joueur de troisième trio. Puis, il a été il est devenu avec le temps, là. Mais il est devenu physiquement mature. Puis ce gars-là, il est quasiment jamais blessé. Vous avez pas remarqué ça? Parce que si tu ramènes un gars à 20-22 ans puis il se blesse gravement, là, sa carrière peut être hypothéquée. Ça peut être un gars que ça va devenir récurrent, qui va avoir d'autres blessures. Regardez le cas de Stamkos. Non, ben, tu sais ce que je veux dire, là. Tu sais, regardez Stamkos, là, qui est perdu pour 4 à 6 mois, là, de la même jambe qui s'est blessée au genou, là, ou qui s'est blessée d'ailleurs, c'est l'hécatombe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas eu de show. Tu sais, tantôt, quand t'as parlé de la défaite, j'étais comme, de quelle crise de match qui parle? Ça fait tellement longtemps, c'est tellement passé d'affaires, mais c'est vrai, il y a eu un hécatombe dans la Ligue nationale incroyable. Ah oui, oui. Godreau, c'est comme... Godreau, Stamkos, il y en a deux autres, attends, c'est qui donc? Mais tout ça pour dire, c'est des joueurs importants qui sont out pour genre des 3-4 semaines. Godreau, je pense qu'il s'est cassé l'auriculaire, quelque chose du genre, il faut qu'il se fasse chirurgie. Un coup de bâton. Mais c'est bête, là, c'est bête au bout, là. Ouais, c'est un coup de bâton d'un adversaire. Mais tu sais, juste un petit coup pour déranger, mais ça y a pas, ça y a punché le doigt. C'est vraiment bête, là, mais regarde, il est out pour un bout. C'est plate de même, mais c'est Godreau, là. Ils ont déjà de la misère à scorer, fait que... Hey, ils vont peut-être y faire un genre de plâtre spécial à un moment donné. Ouais, peut-être, ouais. Ben, c'est là qu'on voit que c'est très fragile, les équipes de la Ligue nationale en 2016. Si on n'a plus l'argent pour se permettre une grosse profondeur, puis on le voit nous-mêmes, là. On était tous contents avec Radulov, ça allait bien, on gagnait, puis tout. On perd Radulov, on a fuck all! Oui, c'est vrai que tu perds Radulov, puis on perd beaucoup. Là. Une chance de Galchenyuk qui est là, puis il marque, il fonctionne.
Mais t'enlèves Radulov, puis Tabarouk, il en manque. Là. Il manque l'énergie beaucoup. Là. Puis Gallagher, c'est Au moins, c'est juste un virus. Là. Je crois pas qu'il manque de l'énergie tant que ça. Parce que moi, le dernier match, j'ai adoré ce que j'ai vu. La chimie entre Gallagher et Galchenyuk a toujours été là. À date depuis leur saison recrue. Rappelez-vous le trio, la Eggline avec Heller. Heller, deux buts en 16 matchs avec les Capitals. Mais ça, j'aimerais ça savoir voir ce que le DG des Capitals dit. Il pense encore que c'est un troisième centre dominant dans la Ligue nationale. Tu sais, là, c'est. Fait que moi, la chimie, là, Gallagher, il y a une énergie contagieuse. C'est drôle. Ben, c'est à cause que. Non, mais je sais, mais j'ai écouté le match contre. Quand ils ont le crest, ils sont tous beaux, ils sont tous fins. Je trouve encore que c'est un bon troisième centre défensif. C'est juste que. J'ai pas aimé le fait qu'il chiolait tout le temps. C'est ça, mais il a beau. Ben, il a chiolé encore cette année, puis il s'est fait. Il a blasté le Canadien. On s'entend, il a blasté le Canadien, là. Ça continuera pas leur affaire. Ah, c'est ici. Il clenche Pittsburgh 7-1. Là, je dis que c'est d'avoir des points. J'arrive là, il a joué 10 minutes, il n'y a pas un point. Je suis comme tabarnak. Tu sais, là, c'est ça j'explique. C'est que, rappelez-vous, là, le propos du directeur général des Capitals qui disait qu'il était tellement heureux d'avoir ramassé Heller, que c'était le troisième centre qu'il cherchait, puis là, il est rendu qu'il joue ça à 4. C'est bizarre. Hein? 3,5 millions sur la quatrième ligne. En tout cas, on passe-tu au match à soir, les boys? Mais si vous avez d'autres sujets, laissez-vous aller. Là. On pourrait parler aussi, on va en parler, puis qu'on affronte les Hurricanes ce soir. Le propriétaire des Hurricanes serait prêt à vendre l'équipe. On parle de 290 millions. Le gars, il a perdu de l'argent. Il a réglé ses affaires avec ses créanciers, je pense, ou son fils. Il y avait des conflits, là. Puis là, il n'y a plus d'argent. Il y a des problèmes familiaux. Ça fait pitié en Caroline, là. Il y a eu un match de 8000 la semaine passée, là. Écoute, là, 8000, là, on parle du stuff de junior quasiment, là. Tu sais, mais... Québec a tellement pas d'argent, puis Bettman n'acceptera jamais qu'il vende l'équipe à 280 ou 250 millions. C'est officiel. Bettman va lui dire non, tu peux pas faire ça. Je viens de vendre une équipe d'expansion à Las Vegas, moi là, pour 800 millions, là. Tu peux pas aller là pour vendre une équipe à Québec à 200 cucs, là. Tu sais, puis moi, c'est ça que je trouve. Mais moi, j'espère, là. Il y a une affaire que j'espère, là, c'est que le gouvernement ne mettra pas une calice de scène. Dans ces calices de crottés-là, man. Parce que là, j'en ai vraiment plein le cul d'eux autres. Je trouve que c'est dégueulasse. Parce que on le sait tous que la concession vaudrait tant. Puis on le sait tous qu'eux autres veulent le vendre le double. Si la Ligue nationale veut vendre, ben quasiment le double. On parle de 290 millions. Ils veulent s'approcher de l'expansion pour être sûr qu'il n'y ait pas d'injustice. Ben, t'sais, c'est une équipe comme Québec. Fuck ton injustice. Trop cher parce que tu veux garder ton prix médian là, pour les autres. Ils agissent en monopole parce que c'est un, c'est clair. Mais tabarnak, tu sais, puis d'aller s'implanter dans des marchés de marde juste pour aller faire de l'argent. Regardez les Coyotes vont avoir une nouvelle aréna. C'est fou, là. On est tombé d'une équipe qui perd. Il n'y a pas un autre sport. Ouais, puis après ça, ils prennent Austin Matthews comme exemple, que ça va bien, puis blablabla. Puis, tu sais, regarde, j'écoutais Michel Quentin, pas Michel Quentin, Philippe Quentin, un matin, 5 à 7 en reprise, qui disait que, tu sais, il parlait des Jeux Olympiques, là, de Corée du Sud. Comme quoi que là, bon, c'était pas encore réglé, là, les joueurs, puis la Ligue nationale, puis l'espèce d'offre bizarre que Batman a faite, là. Mais tu sais, il disait que Batman n'arrête pas de dire que la santé de la Ligue nationale va très, très bien, qu'il n'y a aucune équipe qui est en danger. Lui, il disait, ben voyons, je pense qu'en général, le monde pense que c'est pas vrai. Mais il dit, c'est sûr que s'il offre quelque chose comme ça, c'est parce que quelque part, s'il aime la convention comme elle est là, c'est parce qu'il a tendance à penser que peut-être que Batman le pense pour vrai, fait que peut-être que c'est vrai que ça va bien. Sauf que nous autres, on voit les assistances qui n'ont pas de sens. Fait que là, c'est à se demander qu'est-ce qui se joue, là. Fait que c'est sûr que s'ils veulent, mettons, Las Vegas, c'est sûr qu'ils vont faire de l'argent là, pas parce qu'il va y avoir beaucoup de monde, mais je suis sûr qu'il va y avoir beaucoup d'argent en arrière. Sauf que, c'est ça qui arrive, Québec, ils voudront pas d'un autre Winnipeg, là. Winnipeg, là, ils l'ont pas vendu. Il me semble de mémoire, ça n'a pas été si cher que ça, là. Atlanta, ça allait pas bien, ça a été vendu quasiment à rabais. Puis c'était une bonne affaire en bout de ligne parce que Winnipeg, ça fonctionne. Mais ça reste le seul moyen que Québec ait une équipe. Si les Hurricanes sont à vendre que les Nordiques, et que Québec réussit pas à ramasser les Hurricanes, oubliez ça, le hockey à Québec, c'est fini ever. Il n'aura pas c'est l'occasion où j'allais. Ben, j'attends qu'il y ait un autre équipe qui de la patte comme ça, mais je pense pas que ça va arriver encore. C'est ça le problème. Mais l'affaire, là, qu'est-ce qui... Il y aura pas d'expansion, en tout cas, c'est sûr. Moi, je déteste les Nordiques, OK? Mais ça serait une calisse de disgrâce
pour le sport, si on donne pas finalement une concession à eux autres. Après tout l'argent qu'ils ont pompé, les 10 millions à chaque année, à chaque, tu sais, puis construire un aréna avec mon argent. Mais l'aréna, Bettman a toujours dit, il dit, faites-les pas pour la Ligue nationale, ça veut pas dire que vous allez avoir d'équipe. Ils ont voulu ben, faire pareil. Il dit, nous autres, là, si tu veux avoir une équipe, faut vraiment que tu aies un aréna. On ne dit ça, pas de construire un aréna. On t'en dit pas de construire un aréna. Mais si t'as pas d'aréna, t'auras pas d'équipe. Non, mais le Colisée aurait pu être rénové pour 40 c'est des millions puis arrêter. De crotter, mais c'est le corporatif. Le corporatif, c'est ça qui mène. Je vais te donner un exemple, OK, de pourquoi c'est, la Ligue va peut-être pas si bien que ça, OK? On voit tout que les assistances sont trouées un peu partout, même parfois à Montréal, encore, malgré le début de saison assez fracassant. Il y a une différence entre montrer la valeur de ta Ligue et monter la qualité et la valeur du sport, OK? Et monter la qualité et la valeur du soutien. Tu peux, par certains artifices, aller monter artificiellement la valeur. Okay? Puis ce qui semble être ces temps-ci, tu sais, avec des deals, en ayant des équipes placées stratégiquement pour un marché télévisuel qui soit intéressant. Tu sais, ils font des tactiques pour que la valeur de la Ligue soit bonne. La seule affaire, c'est que ça, si tu ne fais pas attention à ton sport, qui est la base de ton produit, ben, maintenant, la valeur va crasher, pow, tout d'un coup. Parce que tu sais, c'est comme si tu booster artificiellement. On disait ça v'là 20 ans, Élie. On disait, ce que tu dis là, je l'ai entendu v'là 20 ans. Puis c'est la Ligue, ça porte, a jamais été aussi bien. Tu sais, là, c'est, on a beau chioter sur Bettman, on a beau haïr Bettman, parce que j'ai haï Bettman. V'là 20 ans, là, on est loin des contrats de télé. Là, je sais, mais j'ai beau haïr Bettman, là. Mais côté gestionnaire, excusez-moi, là, ce gars-là a fait de la Ligue nationale une Ligue qui valait 800 millions, puis elle vaut 3 milliards aujourd'hui. Qu'est-ce que ça vaut pour toi, ça? T'sais, je comprends là, que t'sais, selon les normes économiques, c'est très bien. Mais qu'est-ce que pour toi, l'amateur, ça vaut, ça? Fuck all! Toi, là, ton sport, il a dépéri pendant ce temps-là. Moi, en tout cas, je trouve. Ben, c'est mon éditorial. Moi, je pense que le hockey n'a jamais été aussi bon, aussi excitant, aussi rapide, aussi. Je suis pas d'accord, mais. Ben, c'est quoi? Le hockey n'a jamais été aussi rapide. Côté les gardiens n'ont jamais été aussi bons. Les athlètes sont devenus meilleurs. Les athlètes sont devenus meilleurs. C'est, t'sais, en rajoutant des équipes, ben, tu rajoutes du talent aussi. Parce qu'il y a beaucoup d'équipes, mais il y a encore énormément de talent. Oui, mais la passion. OK, qui est le moteur de tout le sport, est moins là. Est moins là qu'en 2009. Je pense qu'on peut absolument pas dire le contraire. Tout le monde, même les fans du Canadien, peuvent le remarquer. Il n'y a plus personne avec un esti de drapeau après son char, là. Ben oui, des séries, mais c'est rien que des séries, ça. C'est rien que des séries, non, on met le drapeau sur le char. L'été passé, ça a été long, là. Regarde, on n'a pas fait les playoffs. C'est sûr qu'on n'a pas vu de petit drapeau. D'abord, c'est rendu à faire les conférences. J'ai jamais vu de drapeau de bête dans ma ville. En général, l'engouement général. Regardez, Moi, je le vois pas changer. Moi, personnellement, je suis. Ben oui, mais Yannick, toi, t'es un malade. Pour toi, je parle pas de ton engagement personnel. Ouais, mais je regarde ailleurs. Je suis beaucoup les sites des autres équipes. Moi, je pense que l'engouement est encore aussi présent. Moi, je sens pas vraiment. Il n'est pas aussi fort qu'il y a 6-7 ans, qui était à son summum, que c'était comme la nouvelle vague, là, tu sais. Puis, il faut dire qu'on avait aussi une bonne équipe, enfin, un bon moment. Mais c'était une nouvelle vague de fans aussi. On était parti du monde en cravate qui allait là, business, puis qui ne regardait pas le match, à du monde qui était impliqué émotionnellement. Puis, c'est ça que tu veux. Moi, je veux juste pas qu'on perde ça. Je veux qu'on focus là-dessus, tu sais. Puis là, je trouve que, tu sais, avec toutes les nouvelles expansions, si, admettons, là, tu veux créer une passion, là, tu mets une équipe à Québec, hey man, le sport, on va en parler 10 fois. Ouais, mais on le sait tout. Mais l'expansion, il y aurait. C'est-tu la faute à Batman? Transmise. Ben, pourquoi tu veux. Pourquoi Las Vegas a réussi à avoir une équipe parce pour 500 millions. Parce que ça va pas faire d'argent, Yannick. Las Vegas a réussi. Ouais, mais puis c'est pas grave. Une équipe d'expansion, ça vaut 500 millions. C'est ce que ça vaut présentement. Québec se l'est fait affaire, ils ont décidé de reculer. Je te parle de quelque chose qui dépasse les chiffres. Oui, je sais, mais oui, mais ça dépasse peut-être les chiffres, mais ça reste des chiffres à la base. Il va pas vendre une équipe puis donner une équipe à Québec pour leur faire plaisir, c'est pas de même que ça marche. C'est de la business à la base, là. Ben, Batman, ils vendaient 500 millions, puis Québec, eux autres, ils ont tellement perdu d'argent avec le reste d'histoire de TVA Sport, gang d'épée, ils ont perdu dans la
comme 100 millions depuis qu'ils ont ouvert. Enlève ce 100 millions-là, là, mettons qu'ils n'auraient pas ouvert le réseau, là, puis qu'ils auraient attendu que les Nordiques arrivent. Là, ben, il y aurait eu 100 millions déjà pour le 500 pour payer l'équipe. Puis là, peut-être qu'il n'aurait eu une expansion à Québec. Pourquoi tu penses là, qu'ils ont créé un réseau? Ben, je te dis, il y avait un qui attend d'avoir l'équipe. Avec ton offre, puis là, tu dis, regarde, nous autres, on a un aréna, puis en plus, on a un réseau de télé qui est prêt à mettre les matchs. Winnipeg a pas fait ça. Winnipeg, c'est TSN qui a ramassé les droits. That's it, that's all. Ils ont pas signé de contrat avec rien. Ils ont ouvert un nouveau poste à Winnipeg pour dire on va avoir une équipe, on va dire go, on va construire un aréna. L'aréna t'est bâti, puis c'est TSN qui a ramassé les droits. TVA Sport, TVA aurait agi pareil. Dire on va construire l'amphithéâtre, on va attendre le jour que l'énergie va venir. C'est quand le. Quand TVA a payé le gros prix pour aller chercher les droits de la LNH, c'était aussi pour leur dire « Regardez comment qu'on est intéressé. » Wow. Québécois est associé. C'est Rogers qui a tout acheté. Puis Rogers, c'est Toronto. Fait que ça n'a pas rapport avec Québec. Oublie ça tout de suite. TVA Sport et Anyway sont en train de perdre. TVA, ils vont vendre TVA Sport. TVA Sport sont en train de se parler qu'ils vont avoir un Sportsnet francophone parce que Sportsnet va les acheter. Fait que, tu sais, là, ça va loin. C'est Rogers, là. Tu sais, un réseau qui perd 40 millions une année, 60 sport, fait... l'autre non, année, c'est pas normal, là. C'est juste pas normal. Il aurait dû attendre de dire, OK, on va attendre. On va s'associer avec vous autres pour acheter les droits. Moi, je pense qu'on fourrait Québécois. C'est ça, Rogers? Je pense que la Ligue nationale leur a fait miroiter quelque chose, puis ils ont Ils ont embarqué, ils ont trop embarqué, c'est ça le problème. Je pense qu'ils n'ont pas nécessairement fait fourrer, mais en même temps, on s'entend, là, le corporatif, là, c'est tout le temps des combines pour pouvoir justement faire plus d'argent. Oui, mais ils ont profité de la passion. Ils ont profité de la passion, mais en même temps, ils ont profité du fait que, à quelque part, Québécois, ils se sont laissés embarquer. Dans le fond, c'est eux autres qui se sont fourrés aux autres. Exactement ça, je pense. Ils avaient dû pas embarquer. Ils avaient dû appeler Sportsnet et dire, OK, on va... La passion, il y en a pas de passion. Ils voulaient faire du cash, ils pensaient tout récolter. Ils ont tout fourré aussi, là. Ils ont tout fourré, ils ont fourré les gars de Québec. Le monde de Québec est en tabarnak, là. Ils sont fait fourrer, eux autres, ils sont fait miroiter. Ouais, mais ils en veulent à leur mère, ils n'avaient pas construit d'amphithéâtre, puis ils n'avaient pas signé. Les Québécois n'avaient pas embarqué dans un projet aussi gros qu'un contrat de TV qui était signé. Pour comment moi, ça se faisait pas. Comment tu veux avoir une équipe si c'est... T'as pas besoin de contrat de TV. L'aréna, je peux comprendre, mais pas de contrat de TV. Il n'y avait pas de rêve en partant. Ils étaient déjà associés. Québécois étaient déjà associés avec Sportsnet. Il y avait juste à pas partir le réseau tout de suite. Puis d'attendre au moins 2 ans pour voir ce qu'elle arrivait avec l'équipe. Là, tu vois qu'il n'y a pas d'équipe. Ben, pars pas de réseau pour rien. Tu vas perdre du cash et officiel. C'est ça, leur stratégie marketing était extrêmement mauvaise. C'est pour ça, moi, là, je pense que si on fait ce move-là, c'est qu'il y avait une entente en dessous de la table qui leur disait « Écoute, inquiète-toi pas, tu vas pas perdre ton 100 millions. » Je pense qu'ils ont bêté. Ils ont fait le gros move en même temps avec l'amphithéâtre. Ils ont tout fait en même temps pour montrer qu'ils étaient très décidés. C'est un show qu'ils faisaient là, en même temps. Là. Ils mettaient leurs cartes là. C'est sûr que Batman a dit « Regarde, vous avez bien beau partir tout ce que vous voulez, vous avez bien beau construire un amphithéâtre, je ne peux pas vous garantir rien. » Sauf qu'en même temps, regarde, c'est un passage obligé, tu n'as pas le choix. Si tu veux même être considéré, il faut que tu aies quelque chose. Fait que, regarde, ils ont misé gros, justement, ils ont perdu de l'argent, puis c'est pour ça aussi que l'intérêt commence à s'en aller. Puis chez les fans aussi, puis les partisans, le rêve commence à être à s'éloigner. Puis ils commencent à la trouver moins drôle. Peut-être que justement, avec la Caroline qui est à vendre, peut-être que justement, ça va ranimer les. Je pense le Nordic Nation qui va se réveiller. Moi, je pense qu'à Québec, ça va passer par un propriétaire qui va vouloir déménager son équipe-là et non la vendre. Moi, je pense que c'est ça que ça va prendre. Ça va prendre un propriétaire qui dit moi, Islanders de New York, exemple, qui va se dire moi, là, je t'ai écœuré de perdre de l'argent, je déménage mon équipe à Québec, puis je vais aller gérer là-bas. Moi, je pense que c'est ça que ça prend. OK, attends, Yannick, 2 secondes. Je veux juste te rappeler comment que le reste du monde là, ou le reste de l'Amérique perçoivent les Québécois. Non, je sais, ouais, mais ça... C'est Yannick, là, c'est la dernière place qu'il va vouloir aller, Québec. Ah ouais, mais un propriétaire qui va vouloir faire de l'argent, il va comprendre qu'à Québec, il va en faire. C'est justement. Là-dessus, si tu parles leur langage là-dessus, ça, c'est bon. Ben, fait que tu dis au propriétaire, là, regarde, prends ton équipe, là. Viens gérer. Reste à New York gérer l'équipe. Là. Engage un DG là-bas. Tu vas pas gérer à New York pareil. T'as pas besoin de déménager. Là. Prends ton équipe, envoie-la là. Tu vas voir, tes profits vont tripler après 3 ans. Le propriétaire, là, qui dit moi, je perds 10 millions par année. Là-bas, je vais peut-être en faire 30. OK, ouais. Chris, c'est une bonne affaire. Man,
Moi, là, je suis là, le dollar canadien, oubliez ça, ça joue pas dans balance, ils sont payés ouais, en dollars. Élie, c'est de même. Non, regarde, je sais, là, c'est plate de même, moi aussi, corporatif, je déteste. C'est là, mon utopiste. Moi aussi, je suis utopiste, mais c'est de même que ça fonctionne pour ouais, l'instant. C'est vrai. Comme partisan, je suis d'accord avec toi, Élie, mais c'est... Vous êtes pas ben oui, mais c'est de la business. C'est la même affaire dans la MLS, c'est la même affaire dans le football, dans sauf le baseball. Sauf qu'il y a une affaire, Élie, c'est que oui, je suis tanné. Sauf que, mettons que le corporatif, mettons là, moi aussi, dans mon monde utopiste, là, les corporations, là, sérieusement, c'est juste des outils. Là. C'est pas, ils mènent à rien. Sauf que dans mon monde utopiste, la Ligue nationale n'existe pas. Parce que c'est une corporation. C'est une corporation. La Ligue nationale existait avant d'être achetée par une corporation. C'est ça que vous oui, semblez. Oui, mais c'est ça. Le crest que vous portez, ouais, que vous semblez penser ouais, que c'est une toutes les ligues professionnelles. Existait avant que quelqu'un l'achète puis le vende. Oui, mais tu peux pas aller dans cette zone-là parce que c'est une ligue professionnelle. La baseball, je c'est sais, pareil. Le basketball, le on fait partie de ça. Il y en a rien. C'est le signe du cash qui existe. Puis plus on se rapproche du cash, puis plus là, l'important, c'est de faire plus que l'année passée, ce qui est comme complètement absurde. Combien de temps qu'on va pouvoir faire ça encore? Vraiment pas beaucoup, tu sais. Combien, tu sais, tu peux, il y a une limite à ce que tu peux faire. Puis, mais au lieu de ça, là, j'ai hâte là, qu'on recommence à penser aux produits. Tu sais, la base, la fucking base. Pas le cash, pas le profit que tu vas faire avec. Ouais, mais c'est ça. Mais qu'est-ce que tu crées? Puis, tu sais, avant, là, la Ligue nationale appartenait à des passionnés de hockey qui gagnaient fuck ouais, all. Je sais que ça ne se fera pas, mais man... Je trouve qu'on est tellement éloigné dans le spectre, là. On est tellement rendu haut là, dans la quête de l'argent qu'on est ça en train de s'éloigner là, de la passion. Puis c'est ça qui fait qu'on est en train de perdre là, l'intérêt. C'est très utopiste, ça veut pas, parce que de toute façon, là, même si on embarque dans ce beau rêve-là, même si on prend un momentum puis que vraiment c'est la passion qui l'emporte, là, il va y avoir une convention à négocier dans pas long, encore une fois, qui va nous rappeler à quel point que c'est juste une business. Ben, c'est de la business, c'est là, OK. C'est mais c'est, du coup, je pense pas que ça nuit au système économique au complet. Moi, je pense pas que ça nuit au spectacle. Si le système économique au complet est changé, là, on change tout. C'est ça ouais, que mais le système économique change au complet, puis c'est ça, des corporations comme la Ligue nationale, ça n'existe plus, là. C'est ça qui va arriver, là. Tu sais, tu changes tout au complet, puis des affaires comme ça, ça n'existe plus, parce que ils dépendent de ça. Ah, regarde, là, je fais un parallèle, que... Gabin, oui. Je fais un parallèle. Regarde l'Halloween, regarde Noël. Moi, quand j'étais jeune, là, l'Halloween puis Noël, là, les maisons là, étaient toutes décorées. Noël, là, le monde décore encore. Mais l'Halloween, là, des maisons décorées, il n'y en a pratiquement plus. Ben oui, des bonbons, il n'y en a pratiquement plus. Noël, là, c'est même plus pour la magie. Non, c'est pour avoir... C'est plus ben, c'est cool que l'autre. Ben, c'est une question de profit. C'est une question de profit. C'est une question là, de profit. Ils sortent le hostie de cossin puis le hostie. Excusez, là. Mais ils sortent le mot t'as dit toune de Noël. Les 20 albums de Noël qui sortent à tous les années. Puis on perd l'essence. On est bien, en train c'est de ça. Perdre l'essence est plus là. Fait que c'est dans tout. Ben, c'est, la, c'est mais, ça, mais c'est ça, c'est dit. En disant ça, Daniel, c'est la génération qui a changé. C'est juste différent. C'est juste ça, il faut l'accepter. Corporations, oui, les corporations qui ont pris le contrôle, tout simplement. De tout. Ben oui, mais c'est complet, comme ça. Là, mais c'est comme ça. Non, c'est sûr. Mais c'est à la base de tout. Puis on est en, puis tout le monde pense qu'on n'a pas le choix. Tout le monde pense que c'est de même, puis ça va être juste pire, puis ça va être pire, puis on n'a pas le choix. C'est faux. Non, mais tu penses c'est que, ça ça va être pire, que ça va t'sais, être pire. Tu sais, je comprends que là, pas. Ici, c'est pas nous quatre, c'est qui va refaire le monde. Là. Je trouve juste que. Moi, quand je vois là, une corporation qui possède l'entité que j'aime, c'est-à-dire le hockey professionnel, dérouté de qu'est-ce qu'il devrait faire parce que c'est pas la meilleure affaire pour faire du profit, ben là, je suis en train de me dire, ils vont. Dans 50 ans, ils vont avoir des. Ouais, mais c'est ça, c'est ça la différence. C'est que les Américains, eux autres, les Américains acceptent ce côté corporatif-là, puis nous autres, on a de la misère encore à l'accepter. Regardez au football, avec les poursuites des commotions cérébrales. C'est une corporation qui gère le football. Mais les Américains, ils remplissent les arénas pareil, parce que ça n'a pas changé le spectacle. Ça n'a rien changé. Puis moi, je pense que le hockey n'a jamais été aussi bon, aussi rapide, aussi intense ever depuis que je l'écoute. Je pense que j'ai jamais vu mais du bon hockey comme ça. Il est moins passionné. Ben non, moi, je ne remarque pas là-dedans, parce que de la passion, ça devient à chaque individu. Ça n'a la pas passion, rapport avec... Là, Gabin, je veux juste faire un petit parallèle, par exemple, tu vas comprendre ce que je veux dire. La passion, là, quand t'as un doigt cassé, là, ben tu joues pareil. Bah non, mais là, il y a des limites, là. Ça a des limites parce que tu payes un gars le prix d'une qui vaut une mini entreprise. Tu peux pas dire un gars c'est de 3 millions t'as voilà. Un doigt pété puis tu joues. Mini entreprise. Bon, oui, entreprise. Mais chaque joueur est comme chaque ça. Chaque joueur est une entreprise. Ben, ça m'en fait au baseball. C'est l'exemple parfait.
excuse de faire une référence à Subban, là, mais c'est l'exemple parfait, ça marque. Ben, les joueurs, ça s'en vient tout de même. Ah ouais, au basketball, c'est tout ça. Hein? Au basketball, c'est comme ça, mais au hockey, tu verras jamais ça. Ça parce que le même. Hockey va toujours être un sport conservateur, puis ça, je te le garantis. Yannick, ça change. On pensait ça, Yann, là. Le hockey, il change nos yeux, puis on l'accepte parce qu'on n'a pas le choix, là, mais on se ferme les yeux. Là. Il a changé notre sport. Parce qu'on aime le hockey, parce qu'on est passionné de hockey, mais tu sais, il faut que ça change. Moi, c'est plate, là, mais je pense qu'il a changé rien que pour le mieux, le hockey. Moi, c'est plate. Moi, j'embarque pas dans votre range de façon de penser. Moi, personnellement, j'écoute des les matchs aujourd'hui. Les athlètes sont améliorés, Yannick. Ouais, mais je sais, mais moi, je regarde le hockey aujourd'hui plus passionné que je l'étais avant. Puis, je suis encore plus adepte du hockey que je l'étais avant. T'es peut-être un mauvais exemple de la généralité parce que toi, t'es un passionné du sport. Puis, non, mais. Moi, j'aime le sport. Le côté business, je m'en tabarnak. Non, mais dans le sens que t'es. Je dis pas que c'est pas bon, qu'est-ce que tu dis. Je dis juste que tu peux mal comprendre la masse parce que toi, t'es plus passionné qu'avant. T'sais. Mais j'ai l'impression, puis je sais pas, c'est mon impression, puis c'est peut-être, ça vaut la même affaire que la tienne. Mais je sais pas, j'ai comme ce feeling-là, puis je peux pas te dire que c'est pour le mieux. Je peux te dire que les athlètes sont meilleurs, mais le sport, non. Moi, je pense que c'est pour le mieux. En partant, les gars, ça fait longtemps qu'il y a des gens qui ont décroché du sport. Pas qu'ils écoutent pas ça, mais que des fois, ils prennent ça un petit peu moins au sérieux à cause du fait que le gars, il est déçu. Mais tu sais, le gars, il fait 6 millions par année, là. Tu sais, des gros salaires, puis c'est pas juste dans le hockey, c'est dans le baseball a goûté à ça beaucoup à cause des stéroïdes. Le baseball, il goûte encore, c'est rendu à 25 millions par année. Tu sais, les gars font des salaires, tu sais, comme assez ridicules, là, baseball, on s'entend. Ridicule, ça n'a pas de sens. Tu sais, mais en même temps, c'est ça, c'est comme, on n'a pas le choix de payer les gens ce prix-là, regarde, je ne veux pas me lancer dans un autre débat, mais en effet, si ça attire bien du monde, ils font bien de l'argent, mais c'est une nouvelle génération, tu as les plus vieux qui vont quitter, puis tu as des nouveaux qui vont arriver, c'est ça, avancer, c'est l'évolution, ça, tu peux rien y faire, tu vas avoir des plus vieux qui vont quitter, j'en connais plein, moi, des plus vieux qui ont quitté, puis je connais plein de nouveaux, moi, qui ont commencé à triper sur le hockey depuis 2, 3, 4, 5 ans, puis qui en mangent bien raide, fait que tu sais, c'est différent. On n'a jamais vu mieux. Si là les nouveaux arrivent, puis on leur donne ça, puis on dit regarde. Mais ils ont jamais vu mieux. J'espère le hockey jamais été aussi bon. J'espère qu'ils ont jamais vu mieux. Moi, il y a pas de hockey qui se compare à aucune époque. Tellement que c'est statique à cette heure que le mot t'a dit système défensif là. Ils sont tous défensifs les mots de système quasiment. Puis tout le monde dit ouais mais c'est ça le hockey. Puis le monde dit on a des victoires. Ah ouais mais c'est fun. Quoi c'est non, que tu excuse-moi voudrais. Une victoire, c'est quoi tu c'est voudrais. Tu dis que le hockey défensif ils ont enlevé la ligne rouge. Ils donnent du. T'as vu les systèmes défensifs qu'ils ont. Ouais mais puis mais c'est pas grave. Les équipes se sont adaptées à ces affaires là. Puis c'est correct, puis c'est normal, c'est ce que tu veux faire, tu vas essayer de casser le rythme de l'autre, tu vas essayer de trouver l'emploi. C'est ça le problème, je me rappelle, j'en ai parlé l'année passée à un moment donné, c'est qu'à un moment donné, tu joues pas pour gagner, tu joues en loser, tu veux pas perdre. Exactement. C'est ça, l'année passée, c'était une saison hors norme. L'autre fait des erreurs. C'est ça, je trouve ça plat. Ouais, mais le hockey est un jeu d'erreurs. Même si t'essaierais de pas en faire, tu vas en faire. C'est ça, le hockey. C'est la nature même du sport. C'est une petite crise de poc avec un bâton. Donc, les erreurs, tu vas en avoir à prendre chaque match. Tu connais des chances à ça, tu veux pas prendre de chance. Ouais, mais dans le temps, c'était différent. Tu peux pas comparer. Dans le temps, tu prenais une chance. Oui. Dans le temps, tu viens de me dire le contraire. Non, dans le temps. Ouais, mais dans le temps, tu scorais plus de buts, les gardiens arrêtaient rien. Prends les gardiens d'aujourd'hui, mais là, dans le temps, ils scoraient 2 buts par match. Tu sais, là, c'est différent. Il y a différent. Des systèmes pour bloquer. Tu sais, je veux dire, à un moment donné, c'est ça que je trouve plate. Moi, c'est ce que j'aime. Des systèmes de jeu. Le hockey n'a jamais été aussi bon, personnellement, c'est ça, je suis pas d'accord. Ben oui. Moi, c'est ce que j'aime, le côté défensif, ça sert à qui, dans le fond? Ça sert aux équipes qui sont peut-être très moyennes, finalement. Fait qu'on dit que, le style de jeu veut pas, on dit qu'elle veut pas maintenant, la Ligue, c'est veut pas, il y a beaucoup, la pire équipe peut battre la meilleure équipe. On s'entend, là. Puis souvent, c'est pourquoi, mais parce que ça joue un jeu très hermétique, très défensif. Veut pas, je pense que ça prouve que le talent est peut-être un ça petit nivelle peu nivelle vers le bas. Non, c'est contraire, non! Attends, laisse-moi juste donner mon point. T'amènes plein d'équipes faibles, OK, qu'on est obligé de financer avec notre poche, mais ça, c'est autre chose. Ben là, eux autres, ils vont jouer un système ultra défensif parce qu'ils sont pas capables de compétitionner offensivement avec les autres. Eux autres font ça, mais là, ça marche. Fait là, Chris mène les autres équipes, s'adaptent, ils disent, OK, on va essayer d'inclure ça, mais en restant un petit peu offensif. Mais c'est la beauté du sport, les stratégies! Je comprends pas votre but! C'est de niveler par le haut, Yannick. C'est de niveler par le haut, pas par le bas. La meilleure équipe, là, tu te fies sur elle. Tu te fies pas sur les...
les équipes qui utilisent des systèmes de marde. Moi, c'est ce que j'aime du hockey. Chaque équipe veut jouer un système de jeu. Pas de trouble. Trouve un moyen pour le percer, ce système-là. C'est tellement rendu joue de la stratégie. La même machine d'affaires, Yannick. Oui, il y a beaucoup de détails. Les systèmes se ressemblent beaucoup, mais il y a beaucoup c'est de détails qui font une différence. C'est le talent, en général, c'est le talent brut de chaque équipe. Moi, ce que je trouve que la Ligue va un pas vers l'avant, c'est la parité dans la Ligue. Dans les années 90, là, je m'en rappelle, le Canadien affrontait Whalers de Hartford, là. C'était fini. C'est notre dos encore. Non, mais Roy, ouais, mais pis c'est pas grave, j'aime autant qu'il y en ait pas. Dans les années 90, là, je pouvais déjà prendre. Non, des années 90, là, il y avait quoi, 25 équipes dans les années 90? Non, il y avait 5 de moins. Écoute, écoute-moi, là, je te parle. Des années 90, il y avait quoi? Il y avait 5 équipes de moins. Donc, ça se peut avoir plus de talent. Pourquoi, quand je regardais le calendrier des années 90, moi, il y avait 10-15 games que je savais que c'était dans la poche. Le Canadien gagnait 8-1, 7-2, 6-2. Parce que parce qu'il n'y avait aucune parité. C'était plate. J'écoutais ces games-là, puis j'avais même pas de fun. Souvent, j'écoutais une période, puis je m'en allais parce que c'était déjà 4-0. Parce que c'était plate. Aujourd'hui, chaque match a un intérêt. Dans le temps, il n'y avait pas ça. Il n'y avait pas cette parité-là, ce côté classement qui est serré, que n'importe quelle équipe peut battre n'importe quelle équipe, peu importe le line-up qu'il peut avoir. Moi, c'est ça que j'aime. Je trouve que le hockey évolue. Parce que dans les années 90, j'en ai écouté pas mal de hockey. Puis des games, je trouvais ça plate. Je savais qu'on affrontait Whalers ou les Nordiques en la saison qui ont fait 36 points. T'écoutais cette game-là parce que tu savais qu'elle allait se battre. Parce qu'il n'y avait rien d'autre de potentiellement potable. Parce qu'ils jouaient pas au hockey. Ce que tu faisais, c'est se taper sa gueule. Parce que Québec, t'es pas de calibre. Fait que moi, là, ça, là, je veux plus voir ça. Moi, c'est ce que j'aime, ça aussi. Moi, c'est ce que j'aime, là. Bon, les boys. Hey, juste demain, mon pote. Hey, Udon, vous êtes présenté par la passion du hockey. Udon joue. Que la passion. La passion est pas morte ici, on peut dire. Non, ça c'est clair. On mourra jamais, nous autres. Nous autres, on est les 110% de la radio dans le temps. Les autres, ça se pogne. Hey, les boys. Udon, il joue, les boys. Udon joue ce soir. Oui. On va y aller avec les statistiques des deux équipes tout de suite. Là j'ai déjà. Tu sais quoi que ça fait quand on en parle, hein? Je te le dis, ils sont en train d'écouter l'émission avant le match. Je suis persuadé, M. Terrier, les coachs, je suis sûr. Face à face ce soir, là, Caroline qui affronte Canadien, premier de la Ligue. Les Hurricanes sont 26e avec seulement 14 points. Les buts par match, Canadien 3,29, 4e de la Ligue. Les Hurricanes à 2,53, 17e. Les buts alloués, les Canadiens 3e de la Ligue à 2,18. Les Hurricanes sont 23e à 3 buts par match qui donnent. L'avantage numérique des Hurricanes est à 19,15%, 12e. Celui du Canadien, 23,5%, 6e de la Ligue nationale. Ouais, ça, c'est cool. Des avantages numériques du Canadien, 17e à 82,1%. Celui des Hurricanes est excellent, 2e de la Ligue nationale à 90,5%. Un bon duel à soi, je pense. Un bon duel. Les Hurricanes, ils ont quand même des bons joueurs, les Teravainen, tu sais, ils ont quand même... Ils ont des bons jeunes, ils ont une bonne future défensive, en tout cas, ça c'est Jeff certain. Skinner, hein. Ils ont quand même un bon trio à surveiller, là, sur le trio de Skinner. T'as Eo qui joue aussi, Sébastien Eo, le Finlandais, qui est vraiment excellent. Sur le chat, allez-y tout de suite vos prédictions, je vais marquer ça sur une feuille, moi, là. Je vais vous demander de donner vos scores, puis quel genre de match vous attendez à soir. Ok, on va commencer avec toi, Eli. Ah, j'ai surpris, là. Il est comme oups, il fallait que je cours, genre. Il fallait que je cours pour me démioter. C'est Montoya. Ben écoute, qu'est-ce que je te dis d'autre? Montoya en carrière, une victoire, deux défaites, un match nul contre les Hurricanes, 2,21 et 927 d'efficacité. Pourquoi à cause c'est Montoya, tu penses qu'on va l'échapper? Je pense que oui, parce que l'équipe a mal joué devant Carey. L'équipe a mal joué devant... contre les Panthers. Ben, je trouve que non, mais le fait qu'on ait perdu avec Carey, c'est plus ça que je veux dire. Okay. Après qu'on ait perdu avec Montoya, là on revient avec Montoya. Je pense qu'on va manquer un peu de confiance. On manque d'éléments aussi. Il y a des jeunes qui arrivent, qui eux autres vont être nerveux. Je la sens pas. Mais tu sais, regarde, je suis pas parfait cette année. Là. J'ai pas vu mon herboriste souvent. Là. Ça fait que je vais être obligé de redébourser pour avoir des meilleures notes. Mais je pense que ce soir, les Kings vont gagner, man. Puis je te dirais 2-1. Et anyway, t'es pourri les prédictions, ça fait que c'est une bonne affaire que t'aies prédit. Hey! Pourquoi tu me manques de respect, tu sais? Écoute-le. C'est par respect qu'il te manque de respect. Okay? Ouais, c'est ça. Vas-y. Ouais, écoute-moi, man. Tu sais, non. Moi, je trouvais plus ton herboriste, ça le dit, ça. Vas-y donc, Daniel. La dernière fois que j'ai fait une émission avec vous autres, j'avais prédit une défaite contre Chicago, puis malheureusement, c'est arrivé. C'était pas mon score, là, mais c'est arrivé. Moi, à soir, j'ai l'impression qu'on va avoir une victoire, puis ça va... Écoute, j'ai l'impression qu'ils vont commencer croche un peu,
Mais c'est plus que la game va avancer, puis plus qu'ils vont dominer. C'est drôle, hein? D'habitude, là, c'est le contraire qui arrive. Là, on commence super bien, on marque une coupe de but, puis après ça, on se replie défensivement. Là, j'ai l'impression que c'est le contraire qui va arriver. Que Montoya va jouer toute une bonne game, mais qu'il ne sera pas obligé de faire des arrêts miraculeux, puis qu'en fin de game, là, on va dominer. C'est mon feeling. À ce temps, le score, je suis vraiment pourri là-dedans. Là. Regarde, 3-2 Canadiens. Non, 3-1. 3-1, OK. Je vais vous donner les trios. Bon, exactement ce que je voulais pas voir Hudon sa quatrième ligne. Hudon joue avec Mitchell puis Carr. Je vais mettre un point sur le bémol de la quatrième trio. Là. Ils ont joué quasi autant à 5 contre 5. Tu dis, je vais mettre un point sur le bémol. Le sur la série. J'ai fait un péronis sans le vouloir. Le quatrième trio, le dernier match, ils ont joué 12 minutes. Puis à 5 contre 5, ils ont joué autant que le trio de Plekanec puis le trio de Dano. Fait que c'est pour ça que, bon, c'est Hudon avec Mitchell et Carr. Il n'y a pas vraiment de trio. Hein. Non, c'est ça exactement. Parce que ce qui fait la différence, de grosse différence, j'ai checké dans les temps de glace, là, à part dernier qui jouait une minute de moins que les autres. On parle de un ou deux chiffres de différence entre le premier trio de Galchenyuk puis le quatrième trio du Canadien. Fait que tout ce qui fait la différence, c'est le power play. Tu rajoutes du temps, puis le désavantage numérique qui fait que les joueurs jouent 16, 17, 18 minutes. J'aime le quatrième trio, par exemple, on va l'avouer, là, si on parle de quatrième trio. Il y a du potentiel. Ça veut dire que c'est Andrietto qui sort, c'est ça que je voulais, mais moi je switcherais Terry. Moi je mettrais Hudon avec Plekanec et avec Desharnais, puis j'envoyerais Terry avec Mitchell et Carr. Personnellement, c'est ce que je ferais. On va voir pendant la game, on sait que Terry n'est pas très patient là-dessus. Moi je voyais avec une victoire du Canadien 4-1 ce soir. Je suis très confiant. Je m'attendais que Montoya engoule une grosse, puis les gars vont y en donner une grosse. L'effet que la Chicago, les Canadiens avaient quand même bien joué. Puis là, je pense que c'est le premier match d'une série 2, puis je pense qu'on va gagner en soi et qu'on va gagner demain. Ben merci beaucoup les boys, on a débordé. Mais Pat, on l'a pas dans le Pat, pas, c'est vrai, Pat, excuse-moi. Vas-y, Pat. Écoute, Pat! Bon. Mais écoute, moi, je pense qu'Eli dit n'importe quoi. OK? Encore une fois, du gros n'importe quoi. Je pense que Montoya, au contraire, va sortir un gros match parce qu'il est juste dû. Puis je pense pas qu'on va se faire faire le coup par les Hurricanes. Là. On s'est fait faire le coup par les Panthers, ça n'arrivera pas deux fois. Terry, en passant, il a déjà joué pour les Hurricanes. Je pense qu'il va être en feu. Il a sûrement mis 1000$ sur le tableau. Là, puis il va sûrement finir avec un taux de chapeau. OK, peut-être pas, là, mais en tout cas, je sais, veux pas, je pense. 1000$, c'est beaucoup là, quand tu gagnes 600 000. Ah. Ouais, c'est moi, ça, je pense que c'est farfelu. Je pense que vous ne devriez pas écouter. Pat est probablement encore pogné sur son balcon depuis tantôt. Il est probablement en hypothermie. Écoutez vraiment pas. Tu dis juste ça parce que j'ai dit que tu as dit n'importe quoi. Oui, c'est vrai. Là, je me suis senti... C'est par respect. Encore une fois, c'est par respect. Ici, quand on se bitch, c'est par respect. Ouais. Mais c'est vrai. C'est ça le pire. Ne manquez pas aussi, suivez-nous sur Twitter, sur Facebook, Hockey Sans Limite. Dimanche, on a un gros show avec JD, Olivier, moi et Ellie. On a Mike aussi qui va venir faire une chronique sur la question de la semaine d'Hockey Sans Limite. Allez répondre sur Twitter la question de la semaine. Votre surprise cette année chez les Canadiens. On a, si je ne me trompe pas, on a Galchenyuk, Weber, Byron et Dano. On a mis ces quatre-là. Avec Mike, Mike me l'a demandé, mais tu sais, il avait mis le power play, mais je me disais, en mettant Weber, tu parles du power play, tu veux pas, Weber, c'est une machine en power play cette année, il domine la ligue. Fait que tu sais, je me disais, tu sais, ça peut aller d'un deux. L'émergence de Galchenyuk, je pense que ça va te pair, là, disait le gars, il a déjà 17 points, c'est quand même excellent dans le top 10 de la ligue. Donc, allez répondre à notre question sur Twitter, gênez-vous pas, on va vous donner les pourcentages de ça, je vais la publier. Allez sur YouTube aussi, on est maintenant sur YouTube, ça fait que si t'étais à job, ça te tente de nous écouter, ben Google, OK, sans limite. Yes, sir. Ben, YouTube, yes. Le podcast sur Podbean, sur iTunes. Abonnez-vous. Parlez-en à vos amis. Yes. Demain soir, on se revoit avant match canadien de 18h30 à 19h, une petite demi-heure demain. Alors, on vous remercie d'avoir été avec nous ce soir. On se donne rendez-vous demain soir, 18h30, avec les Hockey Sans Limite. On vous souhaite un excellent match canadien. Hurricane commence dans à peu près 5 minutes. Bon match tout le monde. Merci d'avoir été là. Ah, les prédictions se montrent sur le chat. Ah oui. J'ai oublié. Regarde, la tonne à roule, là. Je laisse finir. Je l'ai pendant la toune. Sylvain, 5-2 Habs. Benoît, 4-3 Habs. Abel Stéphanie, 3-1 Habs. Pops, 3-2 Caroline. Samuel, 4-2 CH. Merci d'avoir été là. On se revoit demain soir.